Good morning, allez, Yiden, nous sommes aujourd'hui le Nishmat Esther Bat Miriam, ainsi que l'Irfa de Levi Israël, Shimon Ben Esther, Khamshat Ben Bat Roslena et Benjamin Ben Rabbi Bator Shachol Israël. Si vous souhaitez vous aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous étudions Mesechet Eruvin, Perigimel, Mishnah, Zain. Rabbi Yehuda Omer, Rosh Hashanah Shaya, Reshamat Itaber, Me'arev Adam Shnei Eruvin, Ve Omer, Eruvi Barishon, la Mizrach, ou Bashani, le Ma'arav, Barishon, le Ma'arav, ou Bashani, la Mizrach. Eruvi Barishon ou Bashani Kemne Iri, Eruvi Bashani ou Barishon Kemne Iri, Velo Odulo Chachamim. Les mots, comme vous pouvez le constater, ressemblent étrangement à ce qu'on a étudié dans la Mishnah précédente, parce qu'il y a plus ou moins le même principe, mais dans un contexte un peu différent, et je commence à expliquer. On continue bien sûr à parler d'Ilchot Eruvin, vous avez bien entendu, c'est quoi Eruvé Troumin, spécialement Shabbat, il va le droit de sortir à plus de 2000 amas de ma ville. Sauf, maintenant j'ai la possibilité de gagner 2000 amas supplémentaires, 2000 amas, une amas c'est un demi-mètre, donc 2000 amas, 1 km, 1000 mètres, et j'ai la possibilité d'avoir maintenant 2000 amas supplémentaires, donc en fait d'avoir 2 km à la sortie de ma ville. Si je vais mettre un Hérouv, je dois renoncer pour ça aux 2000 amas que j'ai de l'autre côté de la ville, pour pouvoir tout prendre de l'autre côté de la ville, d'accord? Vous connaissez le principe? Maintenant, il faut poser un Hérouv. Ouais, grâce au Hérouv, je vais définir que maintenant, j'habite à l'endroit où j'ai laissé mon pain, et puisque j'habite là-bas, alors j'ai le droit en fait à 2000 amas des deux côtés. Donc du coup, j'ai le droit de revenir dans la ville. Quand je rentre dans la ville, toute la ville se considère comme si c'était 4 amot, et j'ai 2000 amas supplémentaires de l'autre côté. C'est le principe du Eruv Troumin. On avait vu dans la Mishnah précédente la fameuse histoire avec Rabbi Eliezer, Chachamim, lorsqu'on a deux jours qui se succèdent, qui se suivent, un jour de Shabbat et un jour de Yom Tov, un avant l'autre, l'autre après l'un. Est-ce que j'ai la possibilité de dire que le premier jour sera comme ci, le deuxième jour sera comme ça? Ou bien est-ce que je suis obligé de considérer les deux grands jours qu'il va y avoir, les deux jours saints qu'il va y avoir, est-ce que je suis obligé de les considérer comme un seul grand jour? Et donc dans ce cas-là, je pourrais faire qu'un seul Hérouf pendant les deux jours. On ne va pas revenir sur la mission précédente, mais on va réadapter maintenant le même principe, cette fois-ci avec Rosh Hashanah. Et on va parler par contre, entre les lignes, des deux jours de Yom Tov de Galouyot. Et je commence d'abord par traduire la Mishnah. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit, Rosh Hashanah, s'il y avait une fête de Rosh Hashanah, que Shaya Yare Shematitaber, où il craignait qu'elle allait avoir deux jours. D'abord, je marque une petite pause pour expliquer de manière générale Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est le début de l'année, donc c'est le premier jour de l'année. En théorie, selon la Torah, Rosh Hashanah ne dure qu'un seul jour. C'est-à-dire, comment ça se passe? À chaque fois qu'on veut fixer Rosh Chodesh, on arrive à la fin du mois lunaire, la lune a disparu, et puis on démarre maintenant, on est arrivé le 30e jour, en fait on a passé 29 jours pleins depuis le Rosh Chodesh précédent, on a passé 29 jours pleins, arrive maintenant le 30e jour. La nuit, on ne sait pas encore est-ce que ça va être Rosh Chodesh ou ça va pas être Rosh Chodesh. On démarre la journée du lendemain matin. On apporte le Korban Tamid de Bat HaMikdash, comme tous les matins, et puis on attend, on ne sait pas est-ce qu'aujourd'hui ça va être Rosh Hashanah ou ça ne va pas être Rosh Hashanah. On commence à attendre. Et puis, si on va avoir des témoins qui vont venir dans la journée, qui vont dire « Ah, hier, on a vu la lune qui s'est renouvelée. » Ouais, c'est-à-dire qu'il faut voir le nouveau croissant de lune dans l'autre sens. Pas dans le... D'accord dans... Ça commence à faire le dé de début. Vous connaissez, la lune, la fin du mois, elle est comme ça, et le début du mois, elle est comme ça. D'accord? Donc ça commence à faire le dé. Le début. Donc on a des témoins qui vont venir qui vont dire « Ah, on a vu la lune, on a vu le nouveau croissant de la lune. » Donc on va dire « Ah, vous avez vu le nouveau croissant. » On reçoit votre témoignage. Le mois est considéré comme maintenant le nouveau mois. C'est pas juste Rosh Hashanah, c'est Rosh Hashanah. Du coup, on va faire tous les corbanot de Rosh Hashanah. On va sonner le chauffard, on va tout faire. Et ça y est, c'est devenu le premier tichre. Si toutefois les témoins ne sont pas venus dans la première journée, en théorie, arrive l'heure de Mincha, on dit bon, Bet Amigdash, allez les Kohanim, faites le Korban, comme ça, ça devait être en théorie, faites le Korban Tamid Shel Ben Arbaim, parce qu'en fait, on a cru que ça allait peut-être être Rosh Hashanah, mais finalement, on est le 30 Elul, et le 30 Elul, c'est pas Rosh Hashanah, du coup, Rosh Hashanah sera le lendemain. Donc Rosh Hashanah sera toujours un seul jour. Mais seulement, il s'avère qu'on est à une situation très délicate. Parce qu'on a cette journée-là, du 30 Elul, qui peut devenir le premier Tishrei, qui démarre, où finalement,
On reste tous en stand-by. Est-ce que ce jour va être décrété comme Yom Tov? Pendant ce temps, personne ne fait aucun travail chez soi à la maison. On attend tous. Peut-être que ça va être Rosh Hashanah. Les gens, ils ont déjà mis les beaux costumes, ils ont déjà mis le kittel. Ils n'ont pas mangé le simanim le soir. Je ne sais pas comment ils ont fait. Je ne sais pas s'il y avait le minag à l'époque. Mais en tout cas, on est tous en stand-by. On attend. Qu'est-ce qu'on va décréter au Bet HaMikdash? Est-ce qu'on va dire Mikudash, Mikudash? Et c'est devenu Rosh Hashanah ou pas? Et d'un coup, du jour au lendemain, en un instant, si on Bet HaMikdash, on va décréter, oui, c'est Rosh Hashanah, il s'avère que finalement, c'est effectivement Yom Tov, on a bien fait de ne pas travailler, on va commencer à célébrer, continuer à célébrer Rosh Hashanah. D'accord? On va faire le Korbanot au Bet HaMikdash, c'est l'essentiel, le sonner du chauffard, chacun dans les goulines. Si toutefois, Rosh Hashanah n'était pas décrété Rosh Hashanah, et qu'on a pu assurer que c'était plus Rosh Hashanah, il s'avère que cette journée, c'est une journée Chol. Donc le kitel, on enlève, la cravate, on enlève, et on attend. Et il démarre la journée d'après, en sachant que maintenant, ça va être Rosh Hashanah. C'est comme ça que ça devrait être en théorie. Seulement, vous imaginez cette folie d'avoir un jour qui démarre, vous levez le matin, vous ne travaillez pas, vous ne faites rien du tout, quelqu'un il veut allumer du feu, on lui dit « Oh, c'était Yom Tov !» On est tous en stress, est-ce que c'est Yom Tov ou c'est pas Yom Tov? Et puis, à la fin, vers la fin de la journée, finalement, il s'avère que les témoins ne sont pas venus, vous allez décréter que c'est plus un jour de Yom Tov. Qu'est-ce qui va se passer? Vous savez ce qui va se passer? L'année d'après, vous allez dire à votre fils qu'il va vouloir, il a cassé sa montre, il va vouloir la réparer, on va dire « Eh non, c'est peut-être Yom Tov !» Il va dire « Allez, tu m'as fait le coup l'année dernière, finalement, ça n'a pas été Yom Tov !» Il va se mettre à transgresser, mais finalement, les témoins ils vont venir, et puis on va décréter Rosh Hashanah que c'est devenu Rosh Hashanah. Vous imaginez la folie que ça fait? D'accord? Donc du coup, Chachamim on dit, ben désormais, Rosh Hashanah, premièrement, le premier jour de Rosh Hashanah, il sera, quoi qu'il arrive, le 30 Elul, il sera, quoi qu'il arrive, décrété comme Rosh Hashanah. Soit maintenant, les témoins viennent et c'est devenu le premier Elul, le lendemain vous pourrez faire des travaux, soit au pire les témoins ne sont pas venus, ou les témoins vont venir après qu'on va faire le Korban Tamid Shel Ben Arbaim, c'est pas grave, cette journée-là, on la garde en tant que Rosh Hashanah, et on fera un deuxième jour de Rosh Hashanah. De là est venu le minhag de faire deux jours de Rosh Hashanah. C'est important de bien comprendre la différence entre deux jours de Rosh Hashanah par rapport à deux jours de Yom Tov qu'on va expliquer ensuite. Deux jours de Yom Tov, c'est une toute autre histoire. Quand vous avez en Khutzlaret le minhag de faire deux jours de Yom Tov, c'est une autre histoire. Rosh Hashanah, c'est un statut très particulier. C'est parce qu'en fait, on est considéré que c'est un seul grand jour de Rosh Hashanah pour éviter que les gens y transgressent. C'est pas qu'on a un doute quel est le jour. C'est que Ramim, enfin, décrit que tout est devenu une seule grande journée de Rosh Hashanah. On va revenir après dans les détails pour mieux comprendre. Mais il s'avère que finalement, en théorie, il y a un seul jour de Rosh Hashanah, même quand on fait deux. Selon ce principe, Rabbi Yehuda vient et te dit, tu sais quoi? Tu pourras sauver le bénéfice du doute, tu prends maintenant un hérouv, imagine que maintenant, le 30 Elul, tu dois partir voir ta grand-mère qui habite au nord, à 4000 Amin, et le 31 Elul, enfin le premier Tichré ou deux Tichré, tout dépendra, on s'en fout, tu dois partir maintenant voir ton grand-père paternel, cette fois-ci, qui est au sud, à 4000 Amin. Rabbi Yehuda me dit, tu sais quoi? Aucun problème. Tu mets un hérouv, tu vas maintenant, depuis le 29 Elul, tu mets un hérouv, tu dis, bon, pour demain, quoi qu'il arrive, moi je pars dans le nord, dans la direction du nord, j'aurai droit à 4000 amas, je mets mon hérouv, ce sera mon hérouv pour cette journée-là. Et de deux choses l'une. Soit ce sera un jour profane, donc il n'y a pas besoin de hérouv, je peux partir voir ma grand-mère, ou soit ce sera un jour de Yom Tov, alors j'ai mis mon hérouv. Et puis, après, tu vas vite au sud de la ville, toujours le 29 Elul, tu mets un deuxième hérouv et tu dis, cette fois-ci, après-demain, le 31, en fait, après-demain, eh bien, j'irai voir mon grand-père, qui est de l'autre côté de la ville, qui est au sud, et de deux choses l'une, soit le 30 sera devenu le Rosh Hashanah, donc il n'y aura pas besoin de mettre un hérouv en théorie, ou soit ce ne sera pas Rosh Hashanah, hein, donc ce sera réellement l'après-demain, le surlendemain, sera réellement le jour de Rosh Hashanah, et bien ce sera finalement mon hérouv pour le surlendemain. Rabbi Yehuda vient me dire, cette fois-ci, il n'y a pas de problème, il n'y a aucun problème. C'est mieux que l'histoire de la Mishnah précédente, où il y avait un jour de Shabbat, un jour de Yom Tov, où tous les jours sont interdits de partir. Là, réellement, on a un doute. Il y a un jour oui, un jour que non. Seulement, tu ne sais pas sur lequel sera-t-il. Ben, c'est pas grave, tu sauves la situation, et tu dis de deux choses l'une, je mets un hérouv ici, un hérouv là, parce que réellement, il n'y a jamais eu deux jours de fête. La différence de la Mishnah précédente, où il y avait réellement deux jours où tu n'avais pas le droit de partir. Et c'était tout un autre sujet là-bas, tout était concerné comme une seule gdoucha ou deux gdouchotes, comment ça s'en expliquait. Pour Rosh Hashanah, Rabbi Yehuda te dit, écoute,
Même si on va décréter que c'est devenu un jour de Yom Tov, tu sais bien que c'est pas vrai. On fait semblant. C'est pour éviter que les gens vont transgresser. Mais réellement, 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 il y a deux jours de fête. Il y a deux jours différents. Il y en a un qui est profane et l'autre qui a un jour kadosh. Donc il n'y a pas lieu de m'empêcher de le faire. Du coup, Rabbi Yehuda, il me dit comme ça. Rabbi Yehuda, mais Rosh Hashanah, Shariah, Rechama, Titaber. S'il y avait un jour de Rosh Hashanah où il craignait qu'il allait être Me'ubar, c'est-à-dire qu'on allait célébrer deux jours de Rosh Hashanah, on allait le rendre Me'ubar, littéralement enceinte. C'est qu'en fait, on a fait que le mois, il est devenu plus gros. Eh bien, Me'arev Adam Shne Eruvin. Un homme pourra prendre deux Eruv, Ve'omer, et dire comme ça. Eruvi Barishon la Mizrach. Le Eruv pour le premier jour des deux fêtes qui vont venir devant moi, des deux jours qui vont venir devant moi, il sera le Mizrach à l'est, ou Bacheni le Ma'arav, et pour le deuxième jour, il sera à l'ouest, ou inversement, Eruvi Barishon, Barishon le Ma'arav, ou Bacheni le Mizrach, pour le premier jour, je le mets plutôt à l'ouest, Bacheni le Mizrach, ou encore même, finalement, Eruvi Barishon, mon Eruv, il sera, il fonctionnera, il rentrera en vigueur pour le premier jour uniquement, tandis que Ubacheni Kemneiri, le deuxième jour, je vais rester comme les habitants de ma ville, avoir 2000 amas des deux côtés. Je déciderai ensuite, est-ce que je vais partir au nord ou au sud. Ou encore Eruvi, Bacheni, mon Eruv, il sera pour le deuxième jour, tandis que Ubarishan Kemneiri, le premier jour, je suis considéré comme les autres habitants de ma ville. Je sauve la situation qu'en fait, je ne sais pas lequel des deux jours sera au Yom Tov, tandis que le deuxième sera profane. Donc j'ai les deux choses l'une, je peux fixer. Mais sur ça, Velo, Doulo, Chachamim, Chachamim n'ont pas été d'accord. Et là, on a un grand Martin Dora qui va nous expliquer pourquoi Chachamim n'ont pas été d'accord. Et avant de rentrer dans Rosh Hashanah pour expliquer pourquoi Chachamim n'ont pas été d'accord, on va d'abord apprendre la deuxième partie du Martin Dora qui nous dit que par contre, pour les autres jours de Yom Tov en Chutz La'aretz, et bien Chachamim sont d'accord. Parce qu'en fait, ça se passe comme ça. Réellement, réellement, quand il y a Sukkot, par exemple, il y a un seul jour de Sukkot. Quand il y a un jour de Yom Tov de Sukkot, il y a un seul jour, il n'y a pas deux jours. Pourquoi en Chutz La'aretz on fait deux jours? C'est un usage antique qu'on avait. Parce qu'à l'époque, comme ce qu'on a expliqué, on fixait le début du mois selon le témoignage des témoins qui disaient qu'ils avaient vu la nouvelle lune. Donc du coup, on ne pouvait pas prévoir depuis le début de l'année un calendrier net pour toute l'année. Chaque mois arrivait le 30e jour, depuis le Rosh Chodesh précédent, 30e jour, et puis on attendait, est-ce que ça allait devenir Rosh Chodesh ou ça n'allait pas devenir Rosh Chodesh. Si on décidait de devenir Rosh Chodesh, donc maintenant c'était fixé que c'est le premier jour du mois, on est, ben, dans ce cas-là, on peut maintenant fixer, le premier jour du mois, ce sera un lundi, eh bien, dans ce cas-là, on saura qu'il y aura lundi 8, lundi 15, ouais, dans deux semaines. Et donc, du coup, on va vite faire courir le bruit dans le pays, que maintenant, ça y est, on a fixé Rosh Chodesh un lundi, donc calculez bien hein, toutes les fêtes que vous allez avoir, quand vous allez tomber au 15 Tishri pour faire Sukkot, au 15 Nissan pour faire Pessah, au 6 Sivan pour faire Shavuot. Calculez bien que maintenant, calculez à partir du lundi 1er. D'accord? Selon ce principe, la Mishnah de Rosh Hashanah explique que les habitants de Chutz La'aretz, alors, dans une première période, ils recevaient aussi le signal. Ils n'avaient pas les téléphones, c'est vrai, mais ils avaient un super système pour communiquer. C'est qu'ils avaient, la nuit du 30e, ils se donnaient rendez-vous sur les têtes de montagne, et puis ils avaient un système avec des torches. Il faisait des signaux spéciaux, et comme ça, un, il transmettait à l'autre qui était à la montagne d'en face, et l'autre à la montagne d'en face, et l'autre à la montagne, et comme ça, on réussissait à prévenir tous les habitants jusqu'à en Babel, jusqu'en Irak. En quelques minutes, les signaux, le truc, il y avait un système, on prenait une grosse torche, on monte, on descend, on fait revenir, on fait un signal spécial, et on communique à l'autre, et l'autre communique à l'autre. En quelques minutes, le message est arrivé jusqu'à la Gola, jusqu'aux exilés qui étaient en Babel. Ce qui s'est passé, c'est qu'ensuite, il y a eu des détracteurs, ils se sont mis à faire des signaux pour rien, tout ça, du coup, on ne pouvait plus s'appuyer sur eux. Il fallait faire sortir des émissaires qui partaient à cheval. Et ils essayaient de courir le maximum. Mais en général, ils n'arrivaient pas jusqu'en Chutz La'aretz, en deux semaines. Donc du coup, en Chutz La'aretz, en Babel, en Irak, essentiellement en Irak, en Syrie, ils ne recevaient pas, les émissaires n'arrivaient pas. Du coup, dans le doute, ils savaient que le premier Elul a été fixé un lundi, donc ils supposaient que le premier Tishri allait être soit un mardi, soit un mercredi, je ne sais plus, je n'ai pas fait le calcul, mais en tout cas, il faut calculer 29. Donc,
Ils savaient pas exactement. Du coup, arrivé le 15, ils avaient un doute. Est-ce qu'aujourd'hui on était le 15 Tichri ou le 14 Tichri? Donc du coup, ils se mettaient à respecter 2 jours de Yom Tov. Mais ça veut dire que quand ils respectaient 2 jours de Yom Tov, il y avait réellement un jour qui était Yom Tov, mais l'autre jour qui n'était pas Yom Tov, seulement dans le doute, ils pouvaient pas. Ils étaient obligés de s'interdire de travailler. Ils faisaient comme ça, ils faisaient 2 seder à Pessah, ils restaient 2 jours dans la soukha, ils restaient. D'accord? Chaque jour de fête, ils faisaient 2 jours de fête. Parce qu'il y avait un réel doute. Parce qu'il y a un réel doute, il s'avère qu'il y en a un qui est kadosh et l'autre qui est profane. Ça, c'est vrai pour les autres jours de Yom Tov. Mais pour Rosh Hashanah, donc c'est pour ça que Rachamim sont d'accord avec le principe de Rabbi Yehuda pour les autres jours de Yom Tov. Pour Rosh Hashanah, c'est différent. Parce que pour Rosh Hashanah, c'est pas qu'on a un doute. C'est que si les témoins ne sont pas venus le premier jour, le 30 et l'oul, alors réellement, 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 c'est un vrai jour profane sans aucun doute. Seulement, Rachamim ont fait un décret que si jamais on va commencer à le faire, considéré comme un jour profane, en permettant aux gens de travailler pour l'heure qui reste de la journée, l'année prochaine, il va y avoir des takalotes. Il va y avoir des problèmes, les gens ils vont se mettre à négliger la kdoucha du premier jour, en disant que l'année dernière, comme ce qu'on expliquait au début du cours, donc du coup, à un moment donné, on décrète que c'est un jour. Et il s'avère que maintenant, c'est vrai que c'est un jour qui n'a même pas de doute sur lui, mais d'un autre côté, c'est un jour qui a été décrété comme une obligation de le respecter. En fait, Rami, ils ont transformé tout Rosh Hashanah comme une seule Kdusha qui va durer 2 jours. Et là, si c'est une seule Kdusha qui dure 2 jours, alors dans ce cas-là, tu mets un Hérouv pour... C'est considéré comme un jour de 48 heures, pas comme 2 jours de 24 heures, en fait, en deux mots. Enfin, d'accord, Rami, quand ils ont fait leur décret, ils ont considéré ça comme un jour de 48 heures. Et de ce fait, un jour, un Hérouv. Dans une même journée, tu dis pas la moitié du Hérouv au nord, l'autre moitié du Hérouv, la moitié de la journée, mon Hérouv au nord, l'autre moitié de la journée au sud. Comme ce qu'on avait expliqué dans la mishnah précédente. Même principe, quand tu as une journée de 48 heures, tu peux pas faire 24 heures comme ci et 24 heures comme l'autre. D'accord? C'est tout pour aujourd'hui. Je te souhaite une bonne nuit.